Et salut tout le monde, c'est Nick, on se retrouve aujourd'hui pour un nouvel épisode du Let's Play sur le jeu Octopath Traveler 2. J'espère que vous allez bien pour ma part. Ça va, dans le dernier épisode, nous avions fait le chapitre 3 de Oswald, qui, en quelque sorte, c'est aussi chapitre 2, parce qu'en fait, je rappelle encore une fois, si vous n'avez pas suivi, que quand on a fait le prologue d'Oswald, on a été obligé de faire son chapitre 2 à la suite, et du coup, bah, il fallait continuer ensuite avec son chapitre 3, mais en soi, ce deuxième chapitre qu'on a fait, surtout que son chapitre 2 était extrêmement court, et le chapitre 3 était pas super long non plus en soi. Donc aujourd'hui, nous sommes à Trop Hop, voilà, pour faire le chapitre 3 de Agnia, niveau 20. Potentiellement, pas trop de combats, parce que il me semble que son chapitre 2 était niveau 18. Non, peut-être pas alors. Il était niveau 15. Enfin, il y a très peu de niveaux de différence, donc je trouve ça bizarre, mais on verra. Hop, donc on va aller faire ça. Avant ça, j'aimerais aller rendre une petite quête secondaire. J'aimerais en rendre deux, en fait. Mais je pense que je vais pas trop pouvoir. Ah, c'est vrai que j'ai pas fouillé de nuit ici. Oui, j'ai pas. Il y a des nouveaux PNJ ici de nuit, ah merde. Ah, attendez, on fait ça vite. J'avais pas pensé au fait qu'il y avait des nouveaux PNJ de nuit. Nocorias, mais lui il est où de jour? J'aimerais bien l'avoir, ça, Nocorias. Alors il y a lui qui veut qu'on lui ramène des perles. Voilà, fait qu'il maintenait mon collier de perles parce que c'est brisé. J'essaie de les ramasser le plus vite possible. Et j'en ai que deux, alors je pense que c'est pas assez. Je serais dur pour acheter le frère à ma chérie pour lui demander sa main en mariage. Tu ne viendrais pas avec moi? Tout ce que si tu m'as sauvé la vie, j'aimerais que tu m'accompagnes jusqu'au bout. Ah ouais? Ah, du coup, il n'y en avait que deux à trouver? Ok. Je viens aussi vite que j'ai pu. De quoi voulais-tu me parler? Tiens, je t'ai acheté un collier et je voulais aussi te demander. Aurais-tu l'honneur de devenir ma femme? Ce collier m'a l'air bien épars, non? Je l'ai accroché quelque part et tu as cassé, n'est-ce pas? Oui, j'avais tellement hâte de te l'offrir, je n'ai pas fait attention. Vraiment, quel maladroit. Tu as bien de la chance que je compte rester à tes côtés pour le meilleur et pour le pire, tu sais. Hein? Tu veux dire que... Oui, je serai heureuse de devenir ta femme. Je suis aux anges. Youpi! C'est grâce à ton aide. Je n'oublierai jamais ce que tu as fait pour moi. Acte du Cupidon. 15 000 de thunes aussi, waouh. La personne qui a d'arc ici, c'est merveilleux. Alors faites voir juste les stats. Plonge assez dans la confusion. Technique. Ok. Pop. Ok, lui j'ai déjà vu. Ok. Alors du coup. Notre objectif de cette œuvre sera de mettre en scène des combats réalistes qui prendront les spectateurs par les tripes. Mais nous n'arriverons pas avec de simples acteurs, c'est pour cela qu'il nous faut de vrais guerriers. Que savent se battre, jouer la comédie, ne courent pas les rues. Ah oui, alors j'avais supputé qu'il fallait le défier avec Ikari. Après, on peut le séduire, c'est ça qui est bizarre. C'est soit on peut l'amener quelque part face à un vrai guerrier acteur, voyez-vous. Je pouvais le défier avec Ikari. Je m'étais baladé, j'avais vu que je pouvais, donc attendez. Je veux juste vérifier si mon hypothèse est la bonne. Ah, et aussi, j'ai obtenu. Je vous avais dit que j'avais eu un collier pour voir plus d'octolins. Là, j'en ai eu un pour avoir plus de félandrins. Je crois que c'est ça le nom. Donc voilà. J'ai dû faire un combat contre une vieille dame assez long d'ailleurs pour ça. C'était chiant. Bon, il est fort lui apparemment. Mais après, peut-être pas non plus hyper fort parce que... Parce que c'est peut-être pour la quête aussi.
Ah, ouais, non, si, il fait mal en fait. Non, mais te sens pas obligé d'améliorer ton attaque, mon gars. Ok, on soigne. Ah mon gars, tu fais mal. Now it begins. Not this time. I can still fight. J'ai du mal à avoir ma victoire là, vous voyez. Je pense qu'on est mort. Je devrais pas utiliser des objets comme ça alors que je pense que je vais perdre. Allez, il est comment là en vue? Il est toujours dans le blanc. Non mais là il va augmenter ses capacités, du coup il va pas m'attaquer. Ok, bien. My turn. My plan sings. Now it begins. That's it. I can still fight. My plan sings. I fight for my friends. Ah mince, j'ai pas mal joué. Ouais. Alors attendez, on va se faire un giga soin. Oh là là, mais mon gars. Ah bon bah voilà. C'est loose. Bon, ce sera pour une autre fois. Mais il y a moyen du coup. Si le combat est aussi dur, c'est peut-être que c'est pour la quête du coup. Donc ça doit être ça qu'il faut faire. Je pense. Bon, on va lancer le chapitre d'Acnea du coup. Qu'est-ce que vous dites de beau, vous? Ouais, bon. Pas grand-chose. Ok, alors, écoutez une histoire. Donc, il n'y a que elle dans la ville qui a... qui a une histoire. Agnès s'est rendue à Trop Pop pour son prochain spectacle. Elle rêve de rendre tout le monde heureux avec sa chanson d'espoir que Gil... Non, Jill, il disait en anglais, lui a composée. Je crois qu'ils disent Gilles hein, en anglais. Ah non, non, justement, ils disaient Gilles, je crois. Je sais plus. C'était bizarre. Ils disaient pas la bonne prononciation. Ouais, de dire Gilles, justement. Song of Hope. La chanson d'espoir que Gilles m'a offerte. Ouais, Gilles, ouais. J'ai dit que j'allais écrire des paroles sur sa mélodie. Mais je n'ai pas encore réussi à imaginer un seul vers. Je suis sûr qu'au fil de mon voyage, je trouverai l'inspiration. Vas-y donc, le prochain théâtre de mes aventures. Oh, toute puissante déesse, prête-moi ta force. Même avec la force colossale de Tansy, nous sommes toujours coincés. C'est ta faute, Tansy, c'est toi qui voulais prendre un raccourci.
hadn't overslept, Rico. On n'a pas eu à se dépêcher autant si tu t'étais réveillé à l'heure. Le retard du bateau ne nous avait déjà pas laissé beaucoup de temps pour atteindre notre destination. Et oui, Coda, si pousser ne mène à rien, si on peut te tirer. D'accord. Non, arrête. Oh oui. Ah, mais regardez ce que vous avez fait. Désolé. Ah ah, vos improvisations sont hilarantes, je reconnais bien là ma troupe. Arrêtez vos plaisanteries, patronne. Tout le monde se moquera de nous si on arrive sur scène sans chariot et tous nos accessoires. Parfait, s'ils se moquent, au moins ils seront amusés, c'est là l'essentiel. Allez, réfléchis, réfléchis. Ah, ma déesse toute puissante déesse. Excusez-moi, je pourrais vous aider si vous voulez? Vraiment? Mais qui es-tu exactement? Une habitante de l'île? Oh non, juste une voyageuse. Vous auriez un bâton solide dans vos bagages? Un bâton solide. Rico, Coda. Est-ce que ça fera l'affaire? Je n'y pense pas, voyons, c'est la flûte de Coda. N'en avez donc pas. Attendez-moi un instant, je vais en chercher un. Comme l'air est frais ici. C'est vrai, cette cité est tellement agréable. Les habitants sont pleins d'énergie aussi. Si j'avais été élevé ici, je l'aurais peut-être mieux fini. Quand tu passes ta vie dans une ville sordide, ton cœur finit souillé aussi. Non, tu te trompes. Tu as un cœur pur, bon et fort, Troné. Et moi, j'admire la citadine sophistiquée comme toi. Merci. Même la plus atroce cité aurait pas pu corrompre ton cœur, Agnéa, j'en suis sûr. Alors... Ta-ta-ta-ta... Bon, je l'ai vite fait de mon côté, leur description. Thank you. Ok. Ah, et lui, je peux pas, tiens. Attendez, il a dit une phrase intéressante. Enfin, elle a dit une phrase intéressante. La vie n'est qu'une longue session d'improvisation. Ce qui doit arriver, arrivera. D'accord. Allez. On a ce qu'il nous faut. Ça là comme ça et on pousse. Oh oui. Victoire. Oh my goddess. Loué soit la déesse. I don't know who you are, kid. C'est grâce à toi, jeune inconnu. Après tout, je jouais souvent dans la boue avec les garçons quand j'étais petite. You're stronger than you look. Tu as l'air délicate comme une fleur, et pourtant tu es très débrouillarde. Quel est ton nom, petite? Agnéa. Agnéa Bristarny. Oh, il faut reconnaître son nom de famille, je pense. Bristarny. Ouais, Bristarny. Well, in any case, quoi qu'il en soit, nous devons une fière chandelle, Agnéa. Ah, ils connaissent un peu, mais pas trop, j'ai l'impression. Nous sommes un groupe de comédiennes itinérantes, on nous appelle la troupe de Gisèle. Waouh, mais d'où sort cette colombe? Hé, ravi de voir que tu aimes mon tour. Savais-tu qu'un sourire est bien plus précieux que n'importe quel trésor?
C'est pour cela que nous parcourons le monde entier avec pour mission de faire sourire les grands et les petits. Nous vous ferons sourire aux quatre coins du monde, c'est la devise de notre troupe. Waouh! Incroyable! Quant à moi, je suis danseuse, je suis partie à l'aventure afin de devenir une vedette. Vraiment, quel courage! Vous ne trouvez pas, vous deux? Tu as de bien grandes inspirations, Agnia. Tu sais, le rôle des vedettes est de rendre les gens heureux en toutes circonstances. Malgré la maladie, malgré la pluie, malgré les mots d'amour. Seuls ceux qui arrivent à monter sur scène, qu'il pleuve ou qu'il vente, peuvent prétendre à ce titre. Oui, madame. Patronne, la répétition va bientôt commencer. Le temps passe si vite quand on s'amuse. Je suis sûr que nous nous reverrons avec Néa la rêveuse. Nous avons une représentation prévue ici. Viens donc nous voir si tu en as l'occasion. Je te garantis un bon moment de rigolade. Eh bien, on va aller voir ça, du coup, je suppose. Nous vous ferons sourire aux quatre coins du monde. De quel genre de spectacle peut-il bien s'agir? Et dans tous les cas, j'aurais sûrement beaucoup à en apprendre. Allons donc les voir. Allez! Allons-y. Ok. On fait quoi maintenant? C'est ma faute, j'aurais dû être plus attentive. Ah, je sens que cette fois encore, la rattraper ne sera pas une mince affaire. Oh, mais c'est Agnia. Que se passe-t-il? Le spectacle est déjà fini? Elle s'est enfuie. Il s'est enfui. Ah, la colombe de tout à l'heure? Oh non, laissez-moi vous aider à la retrouver. Non, ce n'est pas la colombe qui s'est envolée. C'est notre chef, Gisèle. Hein? Oh là, je vais faire un bout de bien. Pourquoi? C'est pas grave. Mais pourquoi? Elle arrive parfois avant la présentation. Elle a de gros problèmes de trac. Mais si nous ne la retrouvons pas à temps, notre spectacle n'aura pas de protagoniste. Que faire, ODS? Je vais vous aider, Sandy. Je comprends bien pourquoi elle est partie. Mais nous devons absolument la trouver pour le bien de vos spectateurs qui sont venus vous voir. Merci, Agnia. Merci. Elle est partie où? C'est un peu nul de laisser son équipe comme ça en plan quand même, hein. Ah, non, elle est pas là. Ok, alors faut prendre le bateau pour aller chercher. Ok, elle est là-bas. Oups, non. Ouais, donc vous vous cachiez, Madame Gisèle. Et qui voilà, Agnia la rêveuse. Il paraît que vous vous êtes sauvé tout à coup. Vous allez bien? Toutes mes répliques ont disparu. Dans la répétition, tout ce que j'étais censé dire m'est brusquement sorti de la tête. Tu savais l'humiliation que l'on ressent quand cela arrive en plein spectacle. Je l'ai vécu à plusieurs reprises et chaque fois je fuis. Je ne peux plus monter sur scène. Le rideau s'est désormais baissé sur ma longue carrière d'artiste. Madame Gisèle. Mais que comptez-vous faire pour les spectateurs qui se réjouissent de vous voir?
J'envie la mer. Elle ne ressent ni soucis, ni souffrances, ni rien. Comme cela doit être agréable de se laisser aller, sans aucune influence du monde extérieur. Ah, comme j'aimerais m'endormir dans ce sommeil paisible dans les tréfonds de l'océan. Et devenir un coquillage. Patronne d'une troupe de comédiennes itinérantes. Elle est également actrice, elle-même prend activement part aux représentations. Elle est connue pour ses bons mots et les histoires drôles dont elle régale les spectateurs sur scène ont toujours du succès. Elle voyage travers le monde entier avec sa compagnie, un chariot chargé de tous ses accessoires tiré par un cheval. That was Barry. Giselle. Madame Giselle, qu'entendez-vous pas devenir un coquillage? But you can't. Crénon. Et vous vous entendez donc pas parler? Crénon. Je sais bien que la vie n'est pas toujours rose pour sûr. Mais je me suis juré de toujours rendre les gens que je rencontre heureux. Et Oh my god! Et c'est ce à quoi nous devrions aspirer en tant qu'artiste, pardi. Agnea. Oh! Ah! What happened to your feet? Mais qu'est-il arrivé à tes pieds? They've got calluses. Certaines sont calleuses, certaines plaies ont l'air anciennes et d'autres sont toutes récentes. Don't tell me. Je vois la preuve de l'entraînement intensif et du fruit de tes efforts. Si je n'étais déjà tellement dédié à ton art. Tout ça, c'est trois fois rien. Je ne faisais que danser pour le bonheur de mes spectateurs. Giselle, il est temps d'aller de l'avant. Si tu oublies tes répliques, t'as qu'à les apprendre à nouveau, pardi. Crois en toi, ma Zed, y'a qu'à t'entraîner sans relâche. Rendre les gens heureux en toutes circonstances. C'est là le rôle des vedettes. Donc même si tu trébuches, faut continuer à danser. Même si on trébuche, tu dois continuer à danser. Il est grand temps de sortir ta coquille, Giselle. Tu n'es pas un coquillage, une perle qui brille de mille feux. Oh, c'est beau ça. Et tu te dois de transmettre ta lumière et ton talent à tout le monde. Agnea. Je vais le faire, je vais danser, encore une fois. Oui, allons danser ensemble. Agnea, est-ce que je pourrais te jeter un coup d'œil à tes jambes? Bien sûr. C'est parce que je pensais. Tu devrais être plus prudente quand tu danses. Tu es jeune, mais si tu veux rester jolie, tu devrais faire plus attention à toi. Et puisque tu es danseuse, tu dois soigner tes pieds avant tout, non? Oui, c'est vrai. Je vais te donner une pommade pour atténuer les cicatrices. Merci, Casti. Je peux danser sans crainte des blessures maintenant que tu es là. Bien. Hop, hop, hop. Et nous voilà. Avec Giselle. Ça commence déjà, ok. Parcourons le monde d'un bout à l'autre avec notre fidèle chariot. Et ce soir, nous allons faire arrêt ici, à Tropop. Puissions-nous semer des graines de joie dans vos cœurs et les voir éclore sur le visage. Nous sommes la troupe de Giselle et nous vous ferons sourire aux quatre coins du monde. Tout s'est bien passé, c'est grâce à toi, Agnea. Tu as remis non seulement notre chariot sur le droit chemin, mais aussi notre chef. À ce propos, je dois m'excuser tout à l'heure. Je me suis laissé emporter et... Elle était un peu brusque envers Madame Giselle. Ne t'en fais pas pour ça. Au contraire, nous sommes très reconnaissantes.
She puts on quite the show. Tu pas qu'elle joue merveilleusement bien? She sure does. Oui, elle est superbe. Bosses bad habit of running. Gisèle se font changer trop à cause de la manie qu'elle a de fuir avant une représentation. But when she stands, mais quand elle arrive à monter sur scène, son talent éclipse tous les autres comédiens. What sort of spell? Dis-moi, Agner, quel mot magique as-tu utilisé pour la convaincre? Elle est vraiment exceptionnelle ce soir, encore plus que d'habitude. Louée soit la déesse, je te remercie en ce jour béni. Merci à tous. Merci à tous pour vos somptueux sourires. Et maintenant, j'aimerais vous présenter une invitée surprise. Ah, elle m'a sauvé la vie et m'a guidée jusqu'à vous ce soir. Je vous demande d'accueillir Agnea, la danseuse itinérante. Hein? Bien, c'est à toi, madame la vedette. Oh, c'est sympa, ça. Encourage... Oh, mais c'est pas possible. Encouragez-la, tout le monde. Une chanson. Ah, dans ce cas... Que le spectacle commence. Santé! Nous avons succès ce soir à Agnea qui a réussi à guérir mon cœur meurtri. Votre cœur meurtri, carrément? Je suis certaine que tu as le pouvoir de rendre le monde entier heureux. Vous le pensez vraiment? Je suis d'accord, cette petite est destinée à devenir une vedette. Vedette? On ne peut pas parler de vedette sans mentionner... Tout à vous, de la célèbre Dulcinea. Tiens donc, qu'on reparle d'elle. Je suis sûr qu'Agnea ne se laissera pas faire, même face à Dulcinea. Ton talent pour apporter le bonheur à ceux autour de toi est inégalé. Arrêtez, vous allez me faire rougir. Quant à nous, nous devons poursuivre nos efforts si nous ne voulons pas perdre la face. Après tout, notre prochaine représentation aura lieu lors du Grand Gala. Le Grand Gala? Tiens donc, je sens que c'est son chapitre final. Le plus grand festival des arts théâtraux de tout le continent oriental. Des comédiens, danseurs et chanteurs du monde entier participent. Pour des artistes comme nous, avoir le droit de s'y produire est le plus haut des honneurs. Waouh, incroyable! Bon, c'est décidé, moi aussi j'irai danser au grand gala. Tu veux y aller aussi, Agnea? J'ai comme le pressentiment... que le chemin qui me conduira à mon rêve passe par ce festival. Donc y a pas à hésiter une seule seconde, pardi. Hourra! Je pense que ça sera son chapitre final, peut-être. Mais oui, je me rappelle maintenant. Agnea Bristarny. Tu portes le même nom de famille que Seb Vedette du continent occidental, Kuani Bristarny. Vous connaissez ma mère? Tu es donc sa fille, et quelle coïncidence. J'ai entendu parler d'elle récemment quand je visitais une ville de l'ouest de Messai pour un spectacle. Il semblerait qu'elle se produisait principalement là-bas, il y a une vingtaine d'années. Tout le monde avait l'air de beaucoup l'aimer, comme toi aujourd'hui. La ville où maman a vécu. Quand j'aimerais visiter cet endroit où on se souvient encore d'elle. Il reste du temps avant le début du grand gala. Tu pourrais faire un détour par ça et avant de te rendre au festival. Oui, vous avez raison. Merci de m'en avoir parlé, madame Gisèle. Agnea, tu m'as offert le courage de ne plus fuir. Mais je regrette de n'avoir rien à t'apporter en échange. Madame Gisèle, vous vous trompez. Vous m'avez tout tellement donné. Alors... but à atteindre les valeurs d'un sourire des amis pour la vie. Mmh.
J'hésite entre ces deux-là. Un but à atteindre pour moi, là, déjà un but. La valeur d'un sourire. Vraiment, je suis heureuse de l'entendre. Bonne chance pour le reste de ton voyage, Agnea. Et n'oublie pas, tant que tu souriras, le bonheur te trouvera. Quelle belle Maxime. Madame Giselle, m'autorisez-vous à l'utiliser dans une chanson? J'en serai honorée. Patronne, tout le monde est prêt? À la prochaine, ma petite Agnea. Que la déesse te bénisse. À bientôt, Agnea. Au revoir et portez-vous bien. Nous nous reverrons au grand gala. Oui, mon cœur danse rien que d'imaginer nos retrouvailles. Tâchez tout de même de le calmer avant de monter sur scène, patronne, sinon vous allez encore disparaître. T'inquiète pas, je n'irai plus nulle part. Même si j'y trébuche, je continuerai à danser. Pas vrai, Agnea? Je l'espère bien. Agnea a désormais un nouvel objectif. Participer au grand gala. Elle est persuadée que si Produire pourra réaliser son rêve de devenir une vedette. Grâce à sa rencontre avec la troupe de Giselle, Agnea trouva l'inspiration d'ajouter une nouvelle strophe à la chanson d'espoir. Mais avant le gala, elle décide de se rendre dans une ville où dansait autrefois sa mère. Agnea danseuse, chapitre 3, fin. Et bien voilà, c'était très court. Et très court quand même, 30 minutes. J'avais pas l'impression d'avoir passé tant de temps. Enfin, après on a un peu fait des trucs au début. Mais c'était très... très court, aucun combat, je m'y attendais. Hein. Ouais, chapitre 4, niveau 34, à Sai. Ok. Du coup, le prochain chapitre, je pense que ce sera Casti avec... Voilà, ce chapitre 2, à Géantesse, niveau 24. Ce sera elle, la prochaine destination. Ah, il y a Temenos aussi, niveau 24. On fera Casti d'abord. Je suis beaucoup plus intrigué par elle. Alors, avant toute chose... Où c'est que je peux prendre le bateau, en fait? C'est au port, c'est ça? On va aller au port. On va aller faire un petit tour en bateau. J'avais dit dans le dernier épisode qu'on irait faire ça. Et bizarre la musique là, non? Voilà, on vous attaque par surprise. Ouais. Ombre d'Oisien. Il se passe quoi là? C'est un boss secondaire? C'est quoi? Oh, je suis mal à l'aise. La musique me met trop mal à l'aise. J'arrive pas à me concentrer là. Ça me met mal à l'aise de ouf. Il fait mal? Il est fort ce truc? Est-ce que c'est par rapport au truc de la nuit, je sais pas quoi, qui arrive là? Oh, je suis pas bien, cette musique me met mal à l'aise de ouf. Ok. Ok, c'est bon, c'est fini. What the fuck? Mais c'est pourquoi?
Vous pensez que c'est parce qu'on n'est pas loin du village de Kenomo et que du coup là... Ouais c'est ça en fait, ça c'est parce que le truc est en train d'arriver là. La nuit, je sais plus quoi... nuit de la lune de sang, je sais pas quoi. Non j'ai niveau 34, ah c'est niveau 34 la surface quand même. Niveau 34 et j'ai réussi à me faire un combat tout à l'heure, enfin tout à l'heure, l'autre fois. Je suis balèze moi. De l'île de Rock. On va débarquer juste pour afficher. L'île de Rock, carrément, il a une île ce mec. Bon ça, ça sera sûrement pour le prochain chapitre de Patio, enfin le prochain. Bien plus tard, mais... Pour un de ces chapitres, certainement. Ok, au moins ça affiche sur la carte. Après j'ai un peu peur parce que ouais niveau 34, attendez. J'ai envie d'aller voir ça. Je vais me faire éclater. Je pense que je me fais éclater hein, mais... Bon, heureusement, j'ai sauvegardé juste avant, hein, c'était l'idée. Fais voir les dégâts que je vais me prendre dans la tronche. Je vous demande pardon. Survécu quand même. Moi je suis épaté. Ouais, vas-y, je tente quand même hein. Non, bah non, faut pas tenter. Vas-y, Agnia. Donne tout ce que t'as, Agnia. Je crois en toi, moi. Ah bah non. Ouais, bon, clairement, ça, c'est du contenu endgame. Ah, ça m'a remis là. Ah bah c'est bien, les sauvegardes, en fait, elles sont sympas. Ouais, bah voilà, je vais faire un tour en bateau, je pense que c'est raté. Même niveau 34, j'ai réussi à faire un combat une fois, comment j'ai fait? Avec beaucoup de chance, je crois. Ouais, on avait eu pas mal de chance, je pense. Mais écoutez, je pense qu'on va s'arrêter là, du coup. Quoique, j'aurais bien aimé trouver des coffres et tout, mais... C'est dangereux un peu, ça. Ah, c'est une autre île, ça. Non? Pas du tout. Non, je suis con, attendez. Pas du tout, oui, je suis ici. Je sais pas les bonnes cartes. Je croyais que ça allait me mettre sur l'île en face, en fait. Pas du tout. Mais écoutez, du coup, on va cesser là. Pour cet épisode, comme je le disais. La prochaine fois, on ira faire le chapitre... le deuxième chapitre 2 de Casti à Gélanthèse pour apprendre plus sur son passé. Ce sera à peu près à niveau. Là par contre, il faudra qu'on se donne parce que ouais, ce sera un peu plus à son niveau. D'ailleurs, à ce propos, j'ai pas des donjons secondaires à mon niveau. Il doit y en avoir dans l'eau des donjons, mais ça doit être plus haut niveau parce que si à surface déjà c'est niveau 34, j'imagine que le reste... Ça doit suivre quoi. Ah, il y a ce donjon là, 32 esprits ondins, danger niveau 26. J'ai pas fait ça. Faut que je regarde là, s'il n'y a pas des donjons que je peux faire.
Niveau 34. Ouais, mais il y a trop de donjons qui sont trop haut niveau là. Hein. Ouais, ça c'est niveau combien le donjon ici? 34. Ouais, je pense que il n'y a pas de donjon secondaire pour l'instant que je peux faire. Celui-là, je pense qu'il faudra le faire quand même plus tard. Pas tout de suite. Niveau 26, je suis pas encore au niveau. Mais ouais, on verra ça du coup dans le prochain épisode. J'espère que celui-ci vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un j'aime, à vous abonner si ce n'est pas déjà fait, et à mettre un commentaire. Et on se retrouve pour la suite de l'aventure. Allez, salut tout le monde. Bye bye.